Lancement des cases Wi-Fi en milieu scolaire. Le projet s'intitule « Pour tout le Mali connecté ». L'initiative est de l'agence de gestion du Fonds d'accès universel AGFO. En troisième région, c'est l'école fondamentale de Niena qui reçoit sa toute première case. Le soutien de l'État aux entreprises, on en parle dans ce journal. Elles continuent de bénéficier des facilités que le gouvernement leur a accordées après l'avènement du Covid-19. Plus de 10 000 entreprises ont pu avoir des prêts auprès des banques pour plus de 114 milliards de francs CFA. La Direction générale des impôts a aussi vu ses recettes diminuer. Siaka Kounaté reviendra plus en détail. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Pour tout le Mali connecté, l'agence de gestion du Fonds d'accès universel AGFO donne corps à sa dynamique par le lancement des cases Wi-Fi en milieu scolaire. Dans la région d'Issy-Kasso, l'école fondamentale de Niena a reçu sa toute première case, une cérémonie d'inauguration sous la présidence du ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Modernisation de l'administration, représentant le Premier ministre en présence de la ministre de l'Éducation nationale. La compte rendu, Sekou Konaté et Souleymane Bamba. Par la mise en service de la case Wi-Fi de l'école fondamentale de Niena, l'agence de gestion du Fonds d'accès universel AGFO veut donner corps à une dynamique, celle des Mali connectés. Et l'école constitue le meilleur point de départ. Les cases Wi-Fi en milieu scolaire est une réponse à la mise en œuvre d'une mission essentielle de l'agence de gestion du Fonds d'accès universel, qui dit que l'agence a pour mission d'assurer la promotion des TIC. À ce titre-là, pour assurer la promotion des TIC, les stratégies d'accès universel, dont la stratégie d'accès universel qui a été mise en œuvre au Mali, consistent à investir dans les écoles. Dotée de 15 tablettes tactiles, une connexion Internet avec une borne Wi-Fi et un serveur et d'autres accessoires, la salle Wi-Fi de l'école fondamentale de Niena est une aubaine pour les apprenants dans ce monde de plus en plus compétitif. Cette dotation permettra, j'en suis certain, d'enterrer l'ignorance des jeunes scolaires, cultiver leur esprit de créativité et d'imagination pour relever les défis de l'ère des nouvelles technologies et de l'informatique. Les technologies de l'information et de la communication sont devenues une réalité dont nul ne peut se passer, quel que soit le secteur au sein duquel l'on opère, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. C'est un enjeu majeur dont le gouvernement malien est conscient et qui est donc inscrit au centre des préoccupations et de l'action gouvernementale. Une opportunité d'accès à l'outil informatique que l'on ne doit en aucun cas rater, dira le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Modernisation de l'administration, représentant le Premier ministre à la coupure du ruban symbolique. L'explosion numérique auquel le monde fait face est une belle opportunité pour le système éducatif malien, quelles que soient par ailleurs les difficultés que le système traverse. L'introduction du numérique dans l'éducation obéit à des préalables. Fort de ce constat, l'AGFO a pris l'initiative de créer ce projet de case Wi-Fi qu'elle s'apprête à étendre sur l'ensemble du territoire national afin de mettre très tôt nos apprenants dans de bonnes prédispositions à rivaliser avec leurs camarades à travers le monde, à réveiller plus de talents et à les préparer à la compétitivité dans ce domaine aussi prolixe et complexe. Cet événement auquel nous assistons aujourd'hui est l'aboutissement d'un projet de mise en place de 100 cases Wi-Fi dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso et Ségou. Une séance de démonstration des jeunes apprenants, la visite du centre d'accès universel de la mairie de Niena, une déclamation poétique et une prestation d'artistes ont meublé cette cérémonie d'inauguration.
Je le disais, le secteur privé continue toujours de bénéficier des facilités que le gouvernement leur a accordées après l'avènement du COVID-19 en mars 2020. Ainsi, plus de 10 000 entreprises ont pu avoir des prêts auprès des banques pour plus de 114 milliards de fonds CFA grâce au fonds de garantie du secteur privé. La Direction générale des impôts a vu ses recettes diminuer de certains impôts et taxes. Sur instruction de la BCAO au Mali, les banques ont accordé un moratoire sur le recouvrement des dettes. Les détails dans ce grand format signé Siaka Konaté. L'avènement du COVID-19 en mars 2020 a paralysé les activités économiques. Avec la fermeture des frontières, les problèmes d'approvisionnement s'est posé avec acuité. Le secteur privé a payé un lourd tribut à la pandémie. Beaucoup d'entreprises ont dû fermer, mettant en chômage technique leurs salariés. C'est pourquoi les patronats, la Chambre de commerce et les groupements professionnels ont proposé aux autorités un plan de sauvetage contenant des mesures d'accompagnement. Ainsi, au niveau du système bancaire, un moratoire de 6 mois a été accordé sur les dettes. Les opérateurs évoluant dans les domaines du tourisme et de l'hôtellerie ont bénéficié d'une réduction de la TVA. Dans le domaine dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie, la TVA, qui était de 18%, a été ramenée à 5%, ce qui, disons, a soulagé un peu les hôtels, mais les hôtels qui sont restés fermés, parce que la quasi-totalité des hôtels, notamment à Bamako, avaient fermé leurs portes, puisque l'aéroport étant fermé, les routes étant coupées, il y avait zéro client. Donc cette mesure a quand même contribué à relancer un temps soit peu, disons, les activités. La BCAO, donc notre institut d'émission, a décidé que les banques pouvaient accorder des moratoires sur les dettes, sur les emprunts des entreprises, ce qui a permis quand même de soulager les entreprises. Imaginez des entreprises qui sont en difficulté dues à la pandémie, certaines qui sont même fermées. Si les banques avaient entamé des procédures de recouvrement, ben c'était leur mort assurée. Justement, pour aider les entreprises à avoir des prêts auprès des banques, l'État a mis 20 milliards à la disposition du fonds de garantie du secteur privé. Initialement, ce montant devait garantir 3 000 entreprises, mais plus de 10 000 en ont bénéficié pour plus de 114 milliards. Avec 20 milliards déposés dans nos comptes, et pour conforter ceux qui octroient le crédit. Et en contrepartie de notre garantie, il y a la possibilité que nous fassions 20 milliards multipliés par 5, soit 100 milliards. Je pense que c'est l'objectif qui était assigné en termes de garantie pour pouvoir lever 100 milliards de garantie, pour pouvoir lever au moins 125 milliards de financement. La situation au 30 septembre 2022 fait ressortir 10 003 entreprises bénéficiaires pour un montant mobilisé de 114 milliards de francs CFA. Et à la date du 30 septembre, nous étions singulièrement à 53 200 emplois sauvegardés. En fiscalité intérieure, les mesures de soutien aux entreprises ont porté sur les remises d'impôts, l'État ayant renoncé au produit de la contribution forfaitaire à la charge des employeurs et la taxe logement. Il y a aussi la remise gracieuse des pénalités, l'exonération des impôts et taxes sur les marchés relatifs au projet d'urgence de lutte contre le COVID-19, l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée TVA sur les factures d'eau de la SOMAGEP, d'électricité et d'EDM. Si on prend l'exonération de la TVA sur les factures d'eau et d'électricité, l'incidence a été évaluée à 8 766 millions. Du fait de la renonciation de l'État à la perception du produit de la contribution forfaitaire à la charge des entreprises et de la taxe logement, l'incidence a été évaluée à 17 209 millions. Au titre de la remise gracieuse sur les pénalités, l'incidence a été évaluée à 4 560 millions. Enfin, en ce qui concerne l'exonération d'impôts et taxes dues sur les marchés publics, l'incidence a été évaluée à 9 540 millions au 31 décembre 2021. Des mesures qui ont impacté les recettes du service des impôts,
car privant celui-ci de plus de 84 milliards de francs CFA. En 2020, début de la pandémie de la COVID-19, les prévisions initiales de la Direction générale des impôts étaient fixées à 1 005 725 millions. Ces prévisions ont été corrigées suite à un collectif budgétaire pour les ramener à 914 milliards 125 millions, soit une diminution absolue de 91 milliards 600 millions. Il faut rappeler que en 2020, la DGI a recouvré 921 milliards 160 millions sur une prévision révisée de 914 milliards 125 millions. Donc l'impact réel, n'est-ce pas, négatif des effets, n'est-ce pas, de la pandémie de COVID-19, donc a été de 84 milliards 565 millions de manque à gagner par rapport aux prévisions initiales de 1005 milliards en 2020. Au patronat, ces mesures sont jugées insuffisantes mais bénéfiques. Les nouveaux bureaux du CNPM travaillent avec les autorités de la transition à la relance de l'économie nationale. Il faut préparer la relance de l'économie. La pandémie est derrière nous. L'État a fait ce qu'il a pu. Les mesures que l'État avait prises il y a 2 ans, ces mesures, même si elles sont limitées, ont quand même aidé les entreprises du secteur privé. Les plans de relance de l'économie et les mesures de soutien aux entreprises n'ont qu'un seul objectif, améliorer le pouvoir d'achat des citoyens en cette période de crise multidimensionnelle aggravée par la cherté de la vie. Dossier signé Siaka Konaté. L'association malienne de lutte contre l'hémophilie a remis des matériels de kinésithérapie à l'hôpital du Mali. L'octroi de ces matériels permettra de contribuer au bien-être de personnes atteintes d'hémophilie. Reportage Sokona Kamisou. L'hémophilie correspond à l'impossibilité pour le sang de coaguler. Les personnes atteintes de ce trouble de la coagulation peuvent être suivies par un kinésithérapeute. C'est pourquoi l'Association malienne de lutte contre l'hémophilie apporte son appui à la salle de kinésithérapie de l'hôpital du Mali. Nous tenons à saluer la direction de l'hôpital du Mali qui nous accompagne depuis des années dans notre projet d'amélioration de la prise en charge des malades hémophiles et des malades atteints d'autres troubles de la coagulation qui génèrent le plus souvent des handicaps moteurs fortement handicapants. Donc nous avons, dans la perspective d'améliorer le quotidien de ces malades, pensé avec notre partenaire équiper la salle de kinésithérapie qui vraiment fait beaucoup d'efforts pour essayer de reconstruire la vie de ces malades-là. La composition, c'est vraiment de l'équipement qui est destiné à la rééducation. Il y a une table verticalisateur, il y a des vibromasseurs, il y a un tapis roulant. C'est un acte à saluer et c'est un acte fort pour un médecin qui est en lutte depuis des années, depuis qu'il était à l'hôpital du Pongé jusqu'à l'hôpital du Mali. Et s'il parvient aujourd'hui avec des partenaires à faire un don qui va améliorer la prise en charge de l'hémophilie, ce n'est que salutaire pour notre pays. Et nous allons exhorter ces partenaires à faire davantage pour la prise en charge de l'hémophilie et ensuite exhorter la direction à bien utiliser ce matériel à bon escient. L'acquisition de ces matériels permettra à coup sûr de renforcer les capacités opérationnelles de l'hôpital du Mali. L'Association des femmes des camps du Mali, à travers la direction du service social des armées, vient d'initier une formation au profit des veuves militaires. La session qui se déroule dans le domaine de la transformation agroalimentaire et restauration vise à renforcer les capacités de ces femmes pour leur autonomisation. Mariam Koulibaly. Elles sont une centaine de veuves à participer à cette formation initiée par l'Association des femmes des camps du Mali. L'objectif est d'accompagner ces femmes pour leur autonomisation suite à la disparition de leur mari. Il s'agit de les professionnaliser
pour leur primo-employabilité et insertion socio-professionnelle aussi. La formation qui durera 10 jours permettra à ces femmes de maîtriser la restauration et les différentes techniques de séchage et conservation des produits agroalimentaires. Une aubaine pour ces femmes de s'auto-employer. C'est d'abord une modulaire de la cuisine. Nous les apprenons d'abord l'hygiène, comme ça c'est vraiment un préalable pour faire la cuisine. Ensuite, les techniques culinaires, les épices, les sauces, les salades et les plats africains aussi. Cette formation nous est vraiment bénéfique. Ça peut nous aider à nous prendre en charge et les charges de nos enfants. Nous remercions vraiment le service social de l'armée qui ne se fatigue pas de nous aider. Et les bénéficiaires de formuler des vœux pour un retour rapide de la paix au Mali. En cinquième région, le programme Jeunesse et Stabilisation en partenariat avec le cabinet Consulte Step renforce la capacité des jeunes des régions de Banyangara, Douanza, Ségou, San et Mopti dans la promotion des initiatives citoyennes et d'éveil socio-éducatif. Compte rendu d'Auda Diakité. Cette journée d'échange d'expériences pour la promotion des initiatives citoyennes et d'éveil socio-éducatif a regroupé plus de 200 jeunes des régions de Banyangara, Douanza, Ségou, San et Mopti. Elle est initiée par le projet Programme Jeunesse et Stabilisation en partenariat avec le cabinet Consulte STEP. L'objectif visé était d'identifier des actions favorisant une meilleure cohésion sociale à travers une gestion inclusive des ressources socio-économiques locales et la valorisation d'initiatives de prévention et de régulation des conflits locaux impliquant notamment les jeunes. Des réflexions sont en cours pour accompagner d'autres initiatives visant à atteindre les résultats de stabilisation que nous nous sommes assignés. L'activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du volet 4 du projet relatif à la cohésion sociale. L'autonomisation économique des jeunes constitue aujourd'hui un défi que les autorités du pays se sont imposées depuis quelques années pour le développement national en général et l'émergence de cette couche vulnérable en particulier. Nous vous réitérons notre engagement à vous accompagner pour la paix et le vivre ensemble dans nos communautés. Rappelons que le projet ce programme Jeunesse et Stabilisation est financé par la GIZ et le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour l'Afrique qui a permis d'accompagner plus de 77 micro-projets des groupements des jeunes des zones d'intervention du programme Jeunesse et Stabilisation. En troisième région, la MRTP, l'Association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections, et l'AFAD, Association de formation et d'appui au développement, organise à Sikasso un atelier de formation des acteurs régionaux sur la médiation électorale et d'éducation civique. Objectif, prévenir les conflits ou violences post-électoraux. Les détails avec Yurubala Diabati. Les crises post-électorales sont le plus souvent dues à des élections mal organisées, source de multiples conflits, occasionnant parfois des morts d'hommes. C'est dans le souci de réussir des élections crédibles, apaisées et transparentes que l'AMRTPE, l'Association malienne de relèvement du taux de participation aux élections, et l'AFAD, l'Association de formation et d'appui au développement, organisent à Sikasso un atelier de renforcement des capacités des médiateurs électoraux. Le présent atelier de formation, qui entre dans le cadre du projet d'appui aux élections au Mali PAREM, a pour objectif général de renforcer les capacités des acteurs de Sikasso dans la prévention et la gestion des conflits liés aux élections en vue de contribuer à l'organisation des élections générales. La formation des acteurs de Sikasso sur la médiation électorale et l'éducation civique est d'une importance capitale car contribuera à renforcer l'analyse des conflits électoraux, les aptitudes et stratégies d'intervention et permettra également une meilleure prise en charge des conflits nés pendant des élections sur le terrain. À la lumière des expériences tirées des élections législatives de 2020, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation est à pied d'œuvre pour réussir les échéances à venir. Nous savons que les crises post-électorales ont toujours été des sources de contestation de nos élections. Nous sommes en train d'anticiper sur tout ce qui peut circonscrire les violences post-électorales
électorale. Il faut rappeler que cette activité bénéficie du soutien de l'UNIFEM, de la MINUSMA et du PNUD. Elle sera organisée dans toutes les régions du Mali pour des élections crédibles et transparentes. La célébration de Noël à Tombouctou a été marquée par des chants et des prières dans les différentes églises. Une occasion également pour les fidèles chrétiens de formuler des prières pour un meilleur vivre ensemble. Al-Mustapha Traoré. C'est autour d'une veillée qu'ont débuté les festivités marquant la nativité du Christ à Tombouctou dans presque toutes les églises catholiques aussi bien que protestantes. Après passage de la troupe chorale suivie des prières et chants cantiques, quelques passages de la Bible axés sur l'amour, la paix et la cohésion du prince de paix Jésus ont été lus aux fidèles. Il y a beaucoup de difficultés, une crise qui s'étend, mais Jésus vient en tant que prince de la paix. Il vient pour nous apporter la paix, pour apporter la réconciliation entre les hommes et Dieu, mais aussi entre les hommes. Ce jour est à la fois un moment de rappel et de partage avec l'ensemble de la communauté chrétienne, avec la participation massive des femmes. Aujourd'hui, l'aspiration des Maliens et des Maliennes à la paix demeure forte. Nous avons donc prié pour que cette aspiration à la paix elle devienne réalité. Et dans ce même ordre d'idées, nous avons prié pour nos frères et sœurs qui sont aujourd'hui sur le front militaire et tous ceux qui sont aujourd'hui sous le drapeau, qui défendent l'intégrité du territoire, mais qui veillent pour que notre sécurité soit assurée. Je remercie beaucoup la couche féminine de l'Église. Vraiment, ce que je vois, elle participe, mais je les encourage encore à se donner de plus, une fois de plus, afin que les fêtes prochaines, nous puissions en faire mieux que cette année. Le reste de cette journée sera consacré par les fidèles pour manger, boire et se réjouir au nom du Christ. Les manuscrits anciens du Mali, le sujet est au centre d'un atelier de deux jours. Il est question de restitution et de validation de l'étude diagnostique sur les manuscrits anciens, la création, l'amélioration de maquettes de la formation. Reportage Alpha Maïga. Les manuscrits anciens du Mali sont et demeurent un patrimoine culturel très important pour la nation. Au cours de ces deux jours de travaux, axés sur le sujet, il s'agit pour les participants de procéder à une restitution, puis valider l'étude diagnostique sur les filières de formation, c'est-à-dire la création ou l'amélioration de maquettes. Au cours de cet atelier, vous aurez à faire l'état des lieux des filières de formation sur les manuscrits qui existent au Mali, proposer de nouvelles filières si nécessaire. La valorisation et promotion des manuscrits anciens du Mali est une mine d'emplois qu'il faut exploiter à bon escient au bénéfice des jeunes du Mali. Ce que nous attendons donc à travers cet atelier, c'est surtout la mise en place des filières reconnues par le ministère de l'Enseignement supérieur, donc par les autorités et les institutions éducatives, et permettre aux jeunes étudiants de s'inspirer de ce que apportent ces manuscrits, non seulement pour trouver des domaines donc, d'emploi, mais aussi être ces ambassadeurs, ces experts qui pourront interpréter ces contenus, permettre à la population, aux étudiants et aussi à la communauté internationale de comprendre toutes les leçons que ces contenus de manuscrits nous livrent et face à cela, arriver donc à répondre aux grands défis que nous traversons aujourd'hui. En termes de recommandations, éditer un journal de manuscrits en partenariat avec la Direction du patrimoine culturel, la Bibliothèque nationale, l'ONG Savama et les universités d'une part, et dédier une journée aux manuscrits d'autre part. Aussi, les participants ont recommandé d'encourager la mise en place de bibliothèques anciennes de manuscrits sur toute l'étendue du territoire national et du coup, utiliser les médias pour la promotion des manuscrits. C'est Mademoiselle Aïcha Doumbia qui est couronnée Miss Ouertième Koulikoro 2022, âgée de 24 ans. Aïcha Doumbia mesure 1m70 pour 45 kg, nous dit Daouda Kouni. C'est désormais Mademoiselle Aïcha Doumbia qui est la Miss ORTM Koulikoro édition 2022. Miss ORTM n'est pas seulement un concours de beauté,
C'est l'occasion pour nous de faire valoir les valeurs culturelles, folkloriques, artisanales de notre terroir dans sa diversité. Pour le parrain et la marraine de la nuit au RTM Koulikoro, le thème « Ensemble pour le Mali croix en marche » est plus qu'évocateur car il fait appel à l'unité autour de la patrie. Nous sommes à une période où tous les Maliens doivent s'unir. C'est l'union sacrée autour du Mali. C'est ce qui est le plus important. Et c'est la raison pour laquelle, la raison fondamentale qui m'a amené à venir ici à Koulikoro et à accepter de parrainer cette nuit. On ne dira pas que la plus méritante a gagné, on dira que c'est le Mali qui a gagné ce soir. Le représentant du gouverneur de la région de Koulikoro estime que pour réaliser le Mali croix, qu'il est impératif de trouver des stratégies contre le mensonge, le manque de respect pour le bien public, entre autres. Être présélectionné comme Miss ou désigné comme Miss n'est pas seulement la consécration d'une représentation physique séduisante, c'est aussi s'engager à une cause noble, précieuse. Et pour patriote malienne, il y a lieu au plus noble, au plus précieux aujourd'hui que de l'avenir du Mali. Après les passages en tenue traditionnelle de nuit et en uniforme, c'est Aïcha Doumbia qui a été déclarée par les membres du jury Miss ORTM Koulikoro 2022. Elle est de Kati, elle mesure 1,70 m et pèse 45 kg. Elle a emporté une moto de marque Jakarta offerte par la Forçat Civile plus une enveloppe de 250 000 francs CFA. La première dauphine, Diara Koulibaly, empoche 200 000 francs CFA et la deuxième dauphine, Kani Ndiaye, a gagné 150 000 francs CFA. En plus de ces montants, le parrain de la nuit, Dr Siaka Diara, a octroyé une bourse d'études aux trois gagnantes. La nuit a été agrémentée par les prestations de Zikri Sori, Chekbi de Bagineda, Flatteur, Mano du Ghetto et l'humoriste Modibo Diara, dit Petit Seko. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain 13h, s'il plaît à Dieu.